Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce quatrième épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France, objectif Afrique. On était en guerre contre l'Angleterre, on avait commencé à prendre quelques petites victoires et on avait même notre allié, le Maroc, qui avait pris Gibraltar. C'est fou, c'est très rare. On bloque le front au niveau du Sahara et on se débarrasse entre guillemets des autres, mais... T'as un front ici, tu veux pas y aller toi, plutôt que faire une semaine de marche? Ok. Ok. Je vais les prendre et je vais leur dire d'aller faire un petit débarquement, si possible, en Guyane. Alors, comment il s'appelle lui? Toi tu vas défendre, tuer Elzar de Guérin. Elzar de Guérin, est-ce que je peux t'emmener faire une petite invasion navale là-bas? Non, pas avec eux. Ah, lui, il est engagé dans une bataille. Et lui, il a proposé de prendre qui? Hugo. Hugo de Barguet. C'est pas lui qui est pris. Ouais. Je peux pas le prendre de suite. Ouais, il a essayé de piller mes convois. Il s'est fait bouffer. Ici ça se passe très bien. Bon, par contre les mecs, faites ça bien quoi, au moins un sur chaque front, non? Faut pas déconner. Non mais ils sont rentrés les couillons. Revenez là. Ça déconne. Il y a vraiment un truc qui est mal foutu par rapport à ça quand même. Ok, Loyo. Voilà. Là c'est normal, c'est les nouvelles expansions des colonies. Enfin, si en théorie je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait la possibilité de faire de l'expansion coloniale alors que... Mais c'est pas grave. La Mauritanie française est terminée. Et la colonie, ok parfait. Je peux coloniser ici. Si aussi en théorie, mais paludisme grave. Ça me ralentirait mes colonies un peu partout, c'est pas intéressant. Dis-moi que ça continue quand même, mes colonies ici, ils me bloquent ou... J'ai l'impression que je peux pas coloniser ici, c'est bizarre. Bon là ça se passe. Ok. Tu vas rentrer en état d'alerte. Le deuxième. Est-ce que je peux faire une petite invasion navale? Frédéric de... Elzar de Guérin, c'était lui, hein? Parfait. Une petite infériorité numérique ici, mais rien de bien méchant. Même s'il avance, il avancera très lentement. Vu les territoires que je lui ai bouffés. Chaque ligne mécanique. Ah, par contre... Il a énormément de troupes par rapport à ce qu'il a. Là on voit il a 111 bataillons et 187 conscriptibles. Il y en a 127 ici. Qui c'est qui défend chez toi, mon ami? Dès que Frédéric il a fini là, on va essayer de petit débarquement en Angleterre. Ok, là bon ça avance, hein. Ça avance bien même. Sokoyo, Loyo pardon, devrait très vite... Est-ce que je suis infâme? Normalement un petit peu, ouais. J'ai un petit peu d'infamie. Je suis méprisable. Ok, c'est fini avec Loyo. Frédéric, tu vas en état d'alerte. Et on va prendre Guy Victor de Purée, du Péré. Pardon. C'est vrai, j'ai ma langue qui a bien fourché là. Et on va tenter un petit débarquement en Home Counties. On va se faire intercepter, mais normalement on a une flotte qui est un petit peu plus avantagée. Ok, c'est très bien là tout ça. Là on a un débarquement, bah il se passe tout seul. Oh oui. Hercule, non, Elzar. Vu qu'ils sont tous occupés ici. 146!
J'espère qu'il n'y a plus grand monde dans le coin. Comment guérir Mauritanie? Ok, il y a le Oualata qui est pas content. Attends, si j'arrive à faire en sorte que l'Oualata conquérisse tout ça, ce serait trop bien. Ok, j'ai mon objectif. Ok, là il y a eu une petite interception navale, mais c'est pas très grave. Ce que je peux faire, c'est piller ses convois, lui. Attends, il y a quoi? Ouais, d'accord, il reprend. Tes convois, toi, ils viennent d'où? Beaucoup de convois. 1000 et quelques. Ils viennent de là, ok. On va attaquer ses convois. Essayer de les affaiblir. Alors. Hésite intellectuel. Au pouvoir, alors les intellects au pouvoir, ainsi que leur charismatique chef Frédéric Dargassi ont entamé une grande tournée promotionnelle. Toutefois, la décision de concentrer leur effort sur le plan national ou international a été repoussée à la dernière minute, si bien que nous en aurons encore si les élites intellectuelles privilégieront le pays ou non. Bon, l'influence, ça m'intéresse pas. On avance sur leur temps, ouais, c'est très bien. On n'est pas trop mal là au niveau contestation. Ok, là il nous intercepte, mais normalement on a la puissance navale. Là ils avancent, ils reprennent un peu du terrain, ça c'est parfait. J'ai un général qui est mort, je crois. Ah ouais, ouais, purée, j'ai mon général en Occitanie qui est mort. Oh couillon. Il me disait aussi d'un coup, c'est pas normal. Bon, Laurent le bar, non, ça m'intéresse pas. Voilà, on a des forces armées. François, Achille, Bazaine. Les deux là, on les met à la retraite. J'ai encore des troupes disponibles en Occitanie. Ah oui, j'en ai encore. Ah bah. Quand c'est François Achille, ouais, voilà, promouvoir. Hop. Parfait, mobiliser. Non, pas avancer le front. Défendre le front. Ça, occidental, voilà. On a la dynamite. Alors, on gérera ça, mais juste après. Je pense que vous comprenez pourquoi. On va faire béton armé ou... Trente mois? Ah bah allez, go. Ok. Oh là 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 là, c'est passé direct. Bon bah là, sa capitale elle est prise. S'il vient pas défendre, il est foutu. Hein. Il est foutu. Je vais pas emmener d'autres péons tant qu'il ne défend pas. Ah voilà. Là il a rapatrié une grosse partie de ses troupes. Donc moi je vais le rattraper. Rapatrier, pardon, les petites troupes. Et je vais leur dire de venir là, les 5, les 13, ce genre de petits trucs. Merde, il veut pas, hein? Ah, il est en défense, ok. C'est capital. Hop, il faut absolument que j'arrive là. Ah, ok, bon, c'est bon, j'ai gardé quand même. Parfait. Ah oui, il prend les îles de Jersey. Par contre, je t'avais demandé de venir, toi, quand même. Ce serait bien d'obéir à mes ordres. Un petit peu. Juste pour rigoler, quoi. Ok, sa capitale étant tombée, il va perdre énormément là par tour au niveau de. Au niveau du soutien de guerre. Pénurie bien entrant. Oh merde. Hop. Excusez-moi les gars, je vous ai un peu. Je vais un peu oublier. Alors on va refaire. Hop, 10 teintures.
avant l'arrivée, oui. Hop, ça, toi tu vas pas en attaque, tu vas en dé. Il a attaqué? Mec, tu viens d'arriver, t'es chaud toi. Hein. C'est ça, hein. Il est à peine arrivé. Tu te rends compte? Ok. Le but c'est de garder Londres. Ça a l'air d'être bon. Il a moins 36, voilà, ça devrait se terminer tranquillement. Là, on tient le front, pas besoin de beaucoup plus. On lui maintient quand même beaucoup beaucoup de troupes hein, ici. Tiens, ah, il est déjà en bataille. Ok, voilà. Et en plus, surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir le port de traité juste à côté de Londres. Si jamais il nous embête, bah, on a un moyen pour envahir Londres très rapidement en fait. Soit il se défend Londres, soit il perd tout ce qu'il a autre part quoi. Là, il est incapable de le reprendre vu que je suis en défensif. Et voilà! Capitulation, les objectifs de la guerre suivants ont été posés en Grande-Bretagne, libérer la Sierra Leone, libérer la Belgique, libérer le Danemark, le port de traité de Home Counties, le plus important, et un petit peu de réparation de guerre britannique, d'un montant de 30 000, quand même. Je sais pas ce que c'est. Indemnité d'indépendance haïtienne. Ah oui, c'est vrai. Et surtout, le Danemark, bon, on les a libérés, hein, les pays, la Belgique aussi. Ils nous aiment pas pour autant. Ils sont belliqueux, mais je sais pas trop comment. Et surtout, on a ça là, les gars, ça. Juste à côté de Londres, c'est parfait, c'est impeccable. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ultra important. Voilà, bon, à part pour l'Espagne, parce que bah, leur capitale est en plein milieu. Dès qu'ils m'embêteront, bah, par exemple Naples, je prendrai un port de traité. À Rome ou en Abruzzo ou en Pouille, Pouillesse, pardon. Pour la Prusse, ça c'est un peu plus chiant. Le mieux c'est bah, en Mecklembourg. C'est la Russie, on prend Ingrie là juste à côté de Saint-Pet. Et ici les États-Unis, alors je me suis fait avoir une fois, j'avais pris Columbia, j'avais pris le port de traité de Columbia, sauf qu'en fait ça prenait la capitale tout court, il a dû la déplacer. Donc, le mieux se fait faire dans le Maryland, qui est juste à côté en soi. Hein. Maryland, en Virginie, enfin voilà. En New Jersey, si jamais vraiment. Oh, en Delaware peut-être. Enfin voilà quoi, vous avez compris le principe. Ah bah voilà qu'on est refait. De pouvoir baisser les. Remonter le salaire militaire, ouais, c'est pas mal ça. Là, plus 30K, hop, allez, on va faire ça, augmenter les salaires. Ouais, bon, c'est passé un truc, j'ai pas vu l'annonce. C'est dommage. Comme ça, on va s'entendre mieux avec un petit peu tout le monde. Bon, sauf l'église qui est malheureuse, comme d'hab. Hein. Les pauvres. Les pauvres, on ne force plus les gens à croire en leur religion. Ils savent plus quoi faire. Là, on peut toujours pas, moins 20. Ouais. On va temporiser un petit peu, on n'a pas trop trop le choix. Suffrage universel. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Je perdrais une centaine d'autorité, mais là, je suis pas trop mal, donc je pourrais me permettre de pas avoir un, enfin, d'avoir un impôt en moins. Radicaliser les propriétaires terriens. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. 99, 91% de réussite. Ouais, j'avais quand même pas mal de pillage. On voit qu'il y avait du pillage. Ouais, j'ai le Togo qui est isolé, c'est vrai ça. Faire un port. Attendre que l'économie se relance un petit peu. Ah, il me bouffait mes routes, hein, le salaud. Britannique, il y a le Wallata qui se venge de la Grande-Bretagne.
Ah, j'ai roulé dessus, s'il rend ça à Walata, je suis tellement refait. Pardon. Oh non, je crois que ça va pas passer pour une bataille. Ah, allez gagne Walata, allez gagne. Non! Ah dommage. Ah, s'il gagne, mais j'aurais tellement aimé. Ça c'est joué à rien. Pas de chance. Ok, pas réformé de manière manière sympa. Capacité de modification insuffisante. Normandie, moins 1. Bah on va faire. On va faire ça. Un papier est cher. Effectivement, on va faire un peu plus de pas de papier. J'allais dire de pâté. De papier en Poitou. Automatisation improductive, qui importe des teintures. Tu m'étonnes que ce soit improductif maintenant. Hop là. Ça me fera économiser. Oh, la bureaucratie, le solde de bureaucratie. Oh, j'aime. On va incorporer des états. On va incorporer. Oh, 150! Ouais, bah c'est un peu cher 150. Côte d'Ivoire, Côte de Vin, c'est bien ça. Ouais, ça coûte moins cher. On va prendre Hokkaido, Micronésie, c'est pas cher. La Corse, c'est pas. Oh putain. Hop, Nalu, Fidji, le Vanuatu, Kanak, Bougainville, Tahiti, Tonga, Delta du Niger, la Tunisie, on verra ça plus tard. Le Cameroun est cher, le Togo français, ça passe. La Réunion. Oh merde, je suis déjà en négatif. Et puis on va continuer, on va faire des administrations gouvernementales encore. Un besoin d'Afro-Américains ont migré vers l'état de l'île de France. Ah bah parfait, ça tombe bien. On commençait à manquer un peu de gens. Ok. En famille, on est retourné comme il fallait, c'est parfait. En plus, oui, du coup, j'ai le Yo, le Bénin. Je pourrais aller sur le Dahomey, etc. C'est signé sur une paix blanche. Hop là, hop là, hop. Attends. Oui, c'est ça, une paix blanche. Moi, j'en profitais pour bouffer le territoire. Hein. Là, je crois qu'il y a le paludisme. Grave. Non, même pas. Peut-être ici? Même pas. Ici, ouais, par contre. Ouais. On a le suffrage universel, ouais, c'était censé passer, hein, de toute façon. Unité, égalité, fraternité. Mais Napoléon Bonaparte changera l'idéologie pour réformateur. Je sais même pas qui c'est. Normalement, il est forces armées, lui. Royaliste. Oui, enfin, ah, il adorait quand même. Ah ouais. Une voix raisonnable est peut-être nécessaire avant que les choses deviennent trop radicales. Oui, il est très raisonnable, lui. N'est affilié à aucun parti. Alors, l'église. Alors, c'est beau ça. L'église catholique est affiliée au parti catholicisme. Catholique, pardon. L'église catholique est affiliée au parti bonapartiste. Mais Bonaparte n'est affilié. Enfin, la force. Les forces armées avec en tête Napoléon Bonaparte. Ou Napoléon Bonaparte. N'est affilié à aucun parti. C'est beau quand même. Je crois qu'on a encore fait un bon truc là. Hop, au niveau des budgets, on est très bien. On doit supprimer un ou deux impôts, par contre.
Voilà, supprimer deux, j'ai pas le choix. Je peux même permettre de baisser les impôts. Oh, super. Donc on retire deux impôts à la consommation et on baisse un impôt. Et en plus, on a bien handicapé la Grande-Bretagne, on lui a retiré pas mal de choses. La Sierra Leone, tiens. Ouais, je l'ai. Ouais, j'allais chercher aussi. La Libéria aussi. Ils s'entendent avec quelqu'un ou pas? Dégrader les relations? Non, même pas. Il y a le Gambie portugais, il y a le Fouta Djallon, Karta, ouais, tout ça, hein, tout ça, faudrait que j'aille chercher. Il y a encore Sakhaline en Japon. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est parti foot, c'est. Parti mettre des. Comment ça s'appelle? Des colonies là-bas, lui. Ok, recommercial productif. Ou d'exportation, bah c'est bien, c'est-à-dire que je consomme tout sur place. Alors, voyons voir. Route commerciale, on a plus 1K. Ah, c'est tout pile, hein. Au niveau des fringues. Putain, il me faut des fringues. Ça, c'est fou, ça. Plus on en fait, plus on a besoin. Ça, c'est. Bon, allez, on va taper. On va faire fort, là. Attention, ne faites pas ça chez vous. Oh la vache, on est en déche d'outils aussi. Merde, j'avais pas vu ça. On va faire 4. Ça devrait être suffisant. Au pire, j'ajusterai. Hop, on va faire 15 manufactures de meubles. On déconne pas. On va faire une voie ferrée. Et là, on va faire 15 usines textiles. Bim! Oh. J'ai besoin de soie avant. On va faire voie ferrée. Faire une vingtaine de plantations de soie. Et. Peut-être avoir besoin de faire des moteurs. Je l'ai pas du haut déjà mes moteurs, moi. Personnalisé, je les faisais en Champagne, en Bourgogne? Non? Pas dans le Languedoc. Au Limousin. Je vais en faire deux. Ce qui veut dire que je vais avoir besoin de un petit peu d'acier. Je vais en faire un de plus. Je vais en faire deux de plus. Le charbon est cher. Donc je vais en faire 5. Et au niveau du fer. J'en exporte ou pas? J'en exporte mais c'est pas non plus. Où est-ce que j'en produis du fer? Ici, ouais, ici. Ok, j'en fais 2. On va faire 4. Merde. Mes mines de charbon, je les ai mises toutes à la fin, c'est ça? Ok, hop! On est parti pour. Oh merde. 2 ans de construction, les gars. Pardon. 4 ans. Je pense que je peux me permettre de faire un petit peu de secteur de construction. Hein. Au pire, je remets les impôts normaux. Hop. On va faire ça, ce sera mieux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ça me coûte combien? Ouais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Enfin. Peut-être devoir modifier un petit peu des choses parce que là, le coût des matériaux va être ultra élevé, mais. Ok, la colonie en Guinée est terminée. C'est bien ça. Mais en vrai, là faut booster la production, hein. Pas le choix. Là, je suis pas un gros PIB, je suis deuxième, pardon.
passé devant la compagnie des Indes orientales. Ah ouais, ça me va. Je suis en pénurie? Non, pas encore. Capacité à une position insuffisante. Bretagne. Allez, on leur fait don de ça, les Bretons, quand même. Ils ont bien mérité un peu. Bon, par contre, si on baisse l'imposition, on leur prend le Mont-Saint-Michel, hein, faut pas déconner. De toute façon, le Mont-Saint-Michel, il est normand. Parce que oui, le Quénon dans sa folie, mis le Mont-Saint-Michel en Normandie. Allez, ça c'est dit. Bonjour les Bretons, comment allez-vous? Non, en vrai, je vous aime bien. De toute façon, on s'aime bien entre Bretons. Non, entre Bretons normands, il y a une petite rivalité, tu vois. C'est... On se chamaille. Mais... Suffit de dire, oh, les parigots nous font chier. Et là, on se réunit dans un bar et on se saoule la poire ensemble et on se dit, ah, ils sont chiants, les parigots. C'est tout. Faut pas aller chercher plus loin. C'est à la fois tellement vrai et tellement. Bah, c'est juste vrai, en fait. Ok, j'ai un petit déficit. Rien de bien méchant. De toute façon, j'ai des réserves d'or. Ça ira mieux une fois les constructions faites. Là, surtout que là, je peux en enchaîner combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 simultanés. Autant dire que les 200 semaines, voilà, elles ont été divisées par 2. Au lieu de mettre 4 ans, j'en mets 2. C'est beau ça. Ah, ouais, la classement. Okay. Ok. Et la Prusse, on va améliorer nos relations, toi et moi quand même. Toi aussi, toi, tu veux jamais. Et l'Italie, tu veux pas? Non. La Belgique, je crois qu'on est en train de le faire. Le Pays-Bas, on est en train de le faire. La Suisse, on est déjà blindé. Et la BAD, on est bien aussi, parfait. Là, je peux toujours pas le toit. C'est bizarre ça. Ah ouais, vraiment, il reste pas grand chose quoi, mais. Il faut que j'aille sur le Caladag. Printemps des peuples. Oh merde, j'ai pas vu ça. On a pas la loi sur la monarchie. Ça va être compliqué. J'ai 3 ans pour faire passer une loi de république. Sachant que j'ai des radicaux là, ils en peuvent plus. Je veux bien essayer hein, mais à part si vous leur coupez la tête dès le début là, ça va être compliqué hein. Je sais, c'est une méthode qu'on aime bien, mais enfin que la France a bien aimé, on va dire, à son époque, mais... Oh, on est passé premier, tiens, d'ailleurs. Alors... de faire mon petit récap, j'ai totalement zappé. Ok, merde, je voulais regarder quoi. Ah oui, honorable. Je suis honorable. Bah. Ah mince. J'étais pas sur le bon écran. On est honorable, on est à moins... On est à plus 15. Je pourrais me permettre d'aller choper une petite colonie quelque part, si elle est. Par exemple. Alors, 23 février 1851. On s'est créé la Sierra Leone. L-E-O-N-E. Ah, il y a un E à la fin. Ok. Bon, on va s'aliser, on va faire un pif fantoche la Sierra Leone. Nous croyons que la Grande-Bretagne pourrait rejoindre nos ennemis. Eh ben, moi, je crois pas. Normalement, on est en trêve hein, contre eux. Hein. D'accord. On est en trêve, donc non, ils pourront même pas rejoindre en plus. Ça ou libère hein. 14, c'était 7, 14, on est à 15. Ouais, mais non. Attends, quoi? Car. C'est ça ouais. Allez, on peut faire un pif fantoche. Voilà. Ils peuvent essayer de défendre s'ils veulent. Ils sont pas. La colonisation de la Mauritanie française est terminée. Waouh!
Oh, c'était moche. Oh, c'est un petit peu bugué là, dit. Ah ouais, c'est très le bug là, c'est moche ça. Allez donc, qu'est-ce qui se passe le jeu là? T'es cassé là. Bref, on va prendre Hercule Mabo. Marbo, pardon. On va lui dire d'aller chercher les territoires de la Syrienne. Ils ont pas de défense, ils ont personne pour se défendre. Pardon, ils ont. Pardon? Y avait une trêve, il me semble, hein. Très bien. Bah écoute, c'est à ça que va me servir mon port de traité. Donc on va voir l'utilité dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. C'était Thiago. Ciao!